le bonheur, c'est s'offrir son costard avant ça. Ah, coup. Tour suivant. Moi j'en ai déjà eu un, c'était pour un enterrement du coup. Oh, t'as réussi ta vie. Bravo. J'ai réussi ma vie parce que j'étais à un enterrement. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. On envoie les barbares qui veulent venir voler mes moutons. Touche pas mes moutons! T'as tellement le champ! Alors toi tu vas. Alors toi tu vas là. Comme ça. Et toi tu vas là. Comme ça. Et toi tu vas me refaire un barbare parce que. Tu vas me. Fais-moi des barbares! Mais les éclaireurs sont plus forts que mes guerriers. Il y a un truc que je comprends pas. Oui, non mais on est d'accord. Moi aussi. C'est chelou quand même. Moi mes éclaireurs ils étaient plus puissants que mes lanciers là. Oui, les éclairs. Les éclairs, en fait, ils disent mais... ouais, c'est pas très fort en combat, tu déconnes. Retranché. C'est l'heure de la blague pipi caca parce que notre vrai Patrice est l'enfant. Je ne peux pas liberté à fond, je retrouve l'honneur. Ah, c'est mère pipi. Non, elle ça me donne envie de pisser en plus. Ouais, c'est ça. Alors, on a trouvé un truc super bien. Le Trinter Baringer qui rajoute de la science. Si j'arrive à l'exploiter. Du coup, je vais faire comme dans mon ancienne partie avec Jig Jack, aller mettre une ville à côté juste pour l'avoir. Ouais, il était venu sur mon territoire en plein milieu là. Ton territoire, mon cul. Ouais, c'était le mien, j'avais pissé dessus. Je ne peux pas liberté à fond, je retrouve l'honneur. Rio, est-ce qu'ils. Non, ils ont des pierres précieuses. Donc, ça, c'est l'interface de pour parler avec les cités-états. Les cités-états, elles servent un peu à rien. Elles peuvent aider. Si on leur donne de l'or et tout, qu'on devient leurs alliés, ils peuvent nous aider en cas de guerre ou quoi. Et surtout pour après, c'est le congrès national, c'est ça? Congrès, bah non, le congrès mondial. Congrès mondial? Bah oui, national, il est con. Oui. Oui, il est con, mais oui, mais ouais, dis... Ouais, je confirme, ouais. Ouais, je confirme. Oui. Il est un peu débile, mais... Donc là, moi je suis bien dans ma game. Je veux dire... Je suis bien dans la game, je suis bien dans mon corps. Voilà, voilà. Il fait beau dehors. Donc là, on remarque qu'à côté de ma mine, j'ai construit Stonehenge. À côté de la mine. Hein. Il n'y a pas de respect pour les merveilles. Ah non, mais en même temps, bon... Ah, pas la place, pas la place. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui a construit le grand phare. Ouais, bah c'est pas moi. Ouais. Ah, Venise, là voilà le problème. En fait, je vous explique. Ça, c'est mes unités militaires. Hein, et les cités-états, elles aiment pas trop quand les autres gens, ils font passer leurs unités militaires sur leur territoire. Sans blague. Le problème, c'est que Venise, elle contrôle complètement là, ce petit détroit. Du coup, je peux pas passer sans passer donc sur cette terre. C'est vite fait. Hein. Non, parce que moi j'aime bien me mettre bien, surtout avec Venise, qui sont... Non. Ah non, ils sont maritimes. Oh, on s'en fout. Oh, on passera. Maritime, c'est cool, ça fait de la bouffe, et donc de la population, et donc de la science, et donc des nukes. Quoi ? Maritime, c'est cool, ça fait de la bouffe, et donc de la population, et donc de la science, et donc des nukes. Ah ouais. On a un posadiste là. Il faut des nukes, mec. Tu t'appelles le frère Gandhi par hasard. J'avoue. Gandhi qui nous explique comment jouer. Alors, le mieux, d'abord tu colles une rate, après tu le files au sol à gros coup de pont, et ensuite tu sautes à pieds joints sur sa tête, quand ça fait crash, c'est bon, il est fini. Et après, pour être sûr, tu lui mets un C4 dans la bouche. Parce que c'est toujours efficace. S'il y a encore une bouche, attends, ça dépend comment tu t'y prends. Hein. Bon, tu trouves bien un orifice. L'important c'est que ce soit dedans. Venise, il commence à en avoir marre de moi. Du coup, on va se casser. Ouais, casse-leur la gueule. Mais c'est pas vous.